J'ai arraché la dent d'un ours, j'ai cassé des fenêtres dans un jeu vidéo, j'ai fait des entrechats avec Valérie Lemercier et j'ai même tapé la causette avec un tigre du Bengale. Je crois que c'est le moment de refaire les films après la séance. Chers internautes, bienvenue à cette nouvelle émission après la séance. Merci d'ailleurs de nous avoir suivis pour la précédente. Je suis évidemment avec Jean-Victor Houette, le Wachowskien, qui m'épaule aujourd'hui. Salut Mehdi. Et trois nouveaux invités ce mois-ci, honneur aux dames, avec une personne qui se considère comme une blogo bitch. Elle aime le gore et on la connaît comme étant la fille du rock. Morgane, salut. Salut Mehdi. Pas très loin de Morgane, un amateur de cinéma asiatique qui aime Tsoï Hark autant qu'il déteste Christophe Honoré. C'est le père bienveillant de Filmosphère, Nicolas Gély. Salut. Salut Mehdi. Et quand il y a Nicolas Gély, forcément pas très loin, il y a un mercenaire du cinéma qui adore Jessica Chastain, qui aime pas trop James Cameron, mais on l'aime quand même. Alexandre, ça va ? Ça va Mehdi. Bon, bah avant de parler de cinéma et de critique avec vous, on va commencer en légèreté avec le tour des news. On s'en fout pas. T'as appris quoi ? Ça ? On s'en fout pas. Forest Whitaker incarnera un révérend dans Black Nativity, l'adaptation sur grand écran d'un classique gospel de Broadway. Il donnera la réplique à Angela Bassett et Jennifer Hudson. Le groove, Forest l'a dans la peau, sa voix déchire tout. Faites un tour sur le net en quelques clics, vous en serez convaincus. Sur Europe 1, la chanteuse Céline Dion a fait part de ses envies de cinéma. Elle a notamment déclaré qu'elle rêverait d'incarner la diva Maria Callas. Mais bien sûr, et on voit bien son René dans le rôle d'Aristote Onassis. Le pire, que ça donne des idées à Lara Fabian de vouloir jouer le rôle de, je sais pas moi, Barbara. Universal, détenteur des droits d'adaptation cinématographique du roman 50 nuances de Grey, a attaqué pour plagiat un film pornographique intitulé This Isn't 50 Shades of Grey XXX. Même si on ne rigole pas avec la propriété intellectuelle, Universal manque cruellement d'humour sur ce coup-là. D'autant plus que c'est Myla Cuny qui est envisagée pour le rôle principal du film. Seth MacFarlane, le présentateur des prochains Oscars, a déclaré avoir une trame en tête pour une éventuelle transposition au cinéma de sa série à succès Les Griffins. Après le succès de Ted, c'est le monsieur qui fait rire le tout Hollywood. Alors son humour ravageur, nous, on a totale confiance. Selon une étude de deux chercheurs, la fermeture de Mega Upload n'a pas eu l'incidence escomptée sur l'industrie du cinéma. Elle n'a pas provoqué d'augmentation des recettes au box-office et a même eu un effet contraire sur des petites productions. Pour les petites productions, justement, les pirates pouvaient avoir un rôle non négligeable de promoteur, créant un bouche-à-oreille positif. Et si le téléchargement illégal devenait une nouvelle branche du marketing viral ? Place maintenant aux choses sérieuses avec les trois films du mois de décembre, Les Mondes de Ralph, Main dans la main et L'Odyssée de Pi. C'est l'instant critique, chaud devant. Ralph défonce tous les jours le même bâtiment du même jeu vidéo où il est considéré comme le grand méchant. Il en a marre, Ralph, d'être méchant. Pas très loin, il y a un autre jeu d'arcade où il y a la petite Vénélope, un erreur de système qui aimerait bien conduire une voiture sucrée. Ben, un jour, ces deux-là se rencontrent et leur destin change. C'est le menu des mondes de Ralph, le nouveau Disney, avec plein de personnages, plein de décors. Morgane, j'ai envie de te demander si les nostalgiques de tous les jeux vidéo type Sonic, Mario vont se retrouver là-dedans. Bah moi, j'étais très déçue. En fait, on nous a vendu un film justement pour les nostalgiques de toute cette période, Sonic, Mario, Tetris, etc. Et en fin de compte, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'excepté les 15 premières minutes où effectivement, on a des beaux tableaux avec des personnages de Street Fighter qu'on reconnaît et qu'on apprécie, bah après, on passe dans Charlie et la chocolaterie. Voilà, donc... C'est bien. T'es pas vraiment emballé. Non, disons que c'est... Voilà, ça... C'est... Non. Je vais même aller plus loin que ça. Ah oui. Je considère un peu le film comme une arnaque, parce que c'est... effectivement, on l'a vendu sur ces personnages de jeux vidéo. Et pour des histoires de droits, ils n'ont pas réussi à mettre tout ce qu'ils voulaient. Donc finalement, on s'attend à voir un Disney et on se retrouve devant quelque chose de très différent. Pour moi, c'est Shrek au pays des jeux vidéo. Dans le déroulement de l'histoire, c'est exactement la même chose. C'est une espèce de DreamWorks qui date de 10 ans, hyper faisandé, avec une morale qui est quand même assez scandaleuse pour ce genre de film qui est censé inspirer les enfants à s'élever, à faire le monde meilleur. Donc voilà, si on veut voir des jeux vidéo, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Et en tant que vrai film familial pour enfants, c'est pas très drôle, on a tout vu plusieurs fois. Alors, ceci dit, en plus, il y a une bonne idée quand même au début qui n'est pas du tout exploitée, c'est
que deviennent les personnages de jeux vidéo qui ne sont plus vendus, auxquels on ne joue plus? C'est une question qui est posée, qui aurait pu être exploitée un peu plus, je pense, qui est intéressante. Est-ce que Nico va nous soulever un peu plus haut le film? Ah non, certainement pas, parce que je suis plutôt d'accord avec Jean-Victor. Pour moi, c'est un peu une arnaque, ce film, dans le sens où il y a d'abord un gros problème de positionnement. On ne sait pas si c'est un film pour adultes ou pour enfants. Jamais, à aucun moment. Un enfant, il n'aura certainement pas envie de voir ça, parce que c'est des références geek un peu pourries que personne n'a envie de voir, surtout pas des jeunes. Et les adultes, ça ne les intéressera pas non plus, parce que derrière, il y a, comme dit Jean-Victor également, cette morale qui est un peu atroce finalement, où on te dit qu'il faut surtout très bien rester à ta place dans toute ta vie, ne surtout pas croire en tes rêves. Donc sur ce côté-là, le film est un peu puant. Après, il y a des très jolies images, c'est plein de couleurs, on a trois pauvres décors qui sont très jolis, mais bon, il n'y en a que trois. Donc pour moi, c'est une grosse déception. Ça t'a un peu agacé, ça, que les décors ne soient pas suffisamment exploités, qu'il n'y en ait pas plus? Non, ils ne sont absolument pas exploités. Et puis c'est simplement pour venir mettre des références, soit de jeux vidéo, soit de cinéma. Donc on nous cite Alien, on nous cite, je ne sais plus quoi d'autre, Speed Racer ou... Quand on compare les deux, il n'y a même pas photo, quoi. Du coup, je trouve ça assez ridicule. Et ce travail de référence, en fait, travaille comme un cache-misère. C'est-à-dire qu'en mettant ces références-là, on occupe le spectateur qui pense à un moment que ça va être intéressant, qui peut s'accrocher à ça un temps, et finalement, il ne se passe rien de très passionnant derrière. En fait, il faut imaginer que le monde de Ralph, c'est une sorte de croisement entre Toy Story, pour le côté que deviennent les jouets ou les jeux quand les adultes ne sont pas là, et de Monstres et Compagnie pour l'envers d'un décor fantasmé. Il faut imaginer cette rencontre, mais qui ne marcherait pas. Et c'est extrêmement décevant comme film. C'est très creux. Je pense que c'est vraiment l'un des plus mauvais Disney qu'on ait eu de ces dernières années. Il y a du Rihanna. Eh ben dis donc, ben ça c'est dit, je prends mon joystick, et puis ben voilà, on envoie le palmarès. Attendu au tournant, c'est le moins que l'on puisse dire. Avec main dans la main, Valérie Donzelli doit confirmer tout l'espoir qui avait été placé sur elle après son excellent La guerre est déclarée. Dans ce nouveau film, elle dirige Valérie Lemercier, qui est prof de danse à l'Opéra Garnier, et Jérémy El-Kaïm, qui est employé d'un miroitier. Deux univers totalement différents, ce télescope, et lorsqu'ils se rencontrent, ces deux personnages, ben, ils n'arrivent plus à se quitter d'une semelle. Est-ce que tu trouves, Jean-Victor, que le duo fonctionne ? Il fonctionne mieux que le précédent, dans le sens où moi j'ai un vrai problème avec Valérie Donzelli, que je trouve très fausse dans son jeu et très fausse aussi dans sa réalisation. Et là, je trouve que Valérie Mercier a quand même plus d'expérience, et on sent qu'elle est très à l'aise là-dedans, donc elle apporte une petite fraîcheur dans un film qui, malheureusement, parce qu'il est réalisé par Valérie Donzelli, sonne encore très faux. À la fois, ça se veut franchouillard avec du vas-y mon jojo, des choses comme ça, qui sont un peu à côté de la plaque. Et de l'autre côté, il y a cette fantaisie qui marche pas du tout, parce que dès le début du film, même les protagonistes comprennent qu'en fin de compte, ça tient pas à grand-chose. Et au final, voilà, c'est un film que je trouve jamais très drôle, jamais très touchant, très maniéré et très faussement fabriqué. Mais quoi. Alexandre, il y a quand même un style, Valérie Donzelli, on le repère très vite. Oui, clairement. Moi, au contraire de Jean-Victor, j'aime beaucoup Valérie Donzelli. Et même si je les vois, les défauts, il y a un problème de mise en place. Maintenant, Valérie Donzelli, elle tente plein de choses. Alors des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. C'est d'une certaine manière de la nouvelle vague pas digérée. Mais c'est ça qui est bien. Le problème de la nouvelle vague aujourd'hui, c'est qu'elle est digérée. C'est l'anti-film poussiéreux, c'est l'anti-Jean Becker, c'est l'anti-après-mec qui vient de sortir, qui est cette espèce de film parfait où tout est calculé, où il y a pas de vie. Moi, ce que j'aime bien dans Main dans la main, comme dans La guerre est déclarée, c'est qu'il y a de la vie. Alors c'est un peu inégal, mais je trouve ça plutôt touchant, et je trouve que le couple El-Kaïm Donzelli, parce qu'elle parle d'El-Kaïm où ils sont en couple dans la vie, est très beau, et j'aime bien la façon dont elle parle de son couple, elle revient dessus, et la manière de dire on ne peut pas se séparer même quand on a envie de se séparer. Et ben moi je trouve ça très touchant, et j'ai envie de voir des films comme ça, parfois plus aboutis, mais j'aime beaucoup le geste. Moi, au contraire, ça ne m'a pas du tout touchée parce qu'un peu comme disait Jean-Victor, à aucun moment on va rire. Il y a des situations qui vont nous faire sourire moi, tout au mieux. Alors, moi, c'est peut-être pas assez. Quand c'est triste, on ne pleure pas. Voilà, je ne suis pas du tout rentrée dedans. Et par contre, pour répondre à la question, est-ce que le duo Lemercier et El-Kaïm fonctionne ? Oui, je trouve, parce que Lemercier est très bien dans son rôle. Alors, c'est le même que depuis Les Visiteurs, hein, la petite bourgeoise, mais ça fonctionne bien. El-Kaïm, c'est pas un stéréotype de provincial, donc je trouve que le duo fonctionne bien. J'ai pas apprécié le film, je suis pas rentrée dedans en tout cas, mais le duo fonctionne bien. Nico, t'étais dedans, toi ? Pour moi, il y a de vrais problèmes dans ce film. Alors qu'à l'inverse, personnellement, j'aime bien La guerre est déclarée, même si c'est un film qui est bourré de défauts. Je pense qu'il y avait une énergie qui se déployait du fait de son sujet qui faisait que ça fonctionnait. Alors que là, ça ne fonctionne plus puisqu'elle n'a
finalement plus de sujets vraiment très intéressants. Le problème pour moi, pareil, les scories qu'on retrouve de la nouvelle vague, c'est insupportable. La voix off, la musique, c'est des choses que... Pour moi, ça représente typiquement un certain cinéma d'auteur français que j'ai vraiment plus envie de voir. Et même sur son sujet, finalement, ces deux êtres qui se retrouvent collés l'un à l'autre, qui doivent avancer ensemble, tant qu'à faire, je pense qu'il vaut mieux revoir Dolls de Takeshi Kitano, qui était vachement plus poétique, vachement plus abouti sur ce point-là. On va donc laisser le spectateur prendre Valérie Donzelli par la main. Palmarès. Une barque, un jeune indien de 17 ans et un tigre. On pourrait résumer l'Odyssée de Pi, le nouveau long-métrage d'Ang Lee, à qui l'on doit notamment Le secret de Brokeback Mountain et Tigre et Dragon, mais c'est un peu réducteur, c'est bien plus que ça, c'est une épopée en 3D qui parle du mélange de la foi, du dépassement de soi et une certaine forme de jusqu'au boutisme. Est-ce que ce mélange t'a plu, Nicolas ? Il m'a plus que plu. Pour moi, l'Odyssée de Pi, c'est un film qui est un peu miraculeux. C'est-à-dire que Ang Lee, donc, qui nous avait un peu préparé au fil des années à faire son grand film, vient de livrer là son chef-d'œuvre. C'est-à-dire qu'il récupère un vocabulaire de cinéma, donc la 3D, pour raconter une aventure qui est extraordinaire, bien sûr, alors qu'elle part d'un postulat de départ qui est a priori assez improbable. Et finalement, simplement par sa narration, par sa foi en la narration de cinéma, par la puissance de l'évocation des mythes et des légendes, des religions, etc., il arrive à questionner de façon carrément métaphysique toutes des notions donc de religion, d'enfance, de nature, etc., etc. Pour moi, c'est un très, très, très grand film. Ce qui, il va vraiment encore plus loin, c'est-à-dire que c'est un petit miracle. Moi, je pensais vraiment que ce serait raté. Et il questionne donc sur la croyance en Dieu pour son héros, mais aussi la croyance au récit. Et nous, en tant que spectateurs, la croyance au cinéma. C'est rare hein, que ça arrive. C'est un très beau film sur la puissance de la nature. C'est très cruel et en même temps, c'est très beau. J'ai quelques petites réserves sur certains côtés esthétiques très brillants. Un peu comme ce que faisait Avatar de temps en temps. Sur la 3D ou sur l'esthétique en général ? Pas la 3D qui est très bien, mais vraiment l'esthétique, ça manque de chair, ça manque de consistance, c'est un peu lisse de temps en temps. Ouais, le côté phosphorescent, effectivement... Voilà, ça nous fait penser à Avatar. Ceci dit, c'est un magnifique récit qui fonctionne vraiment à différents niveaux. Tant pour des enfants, ça va être un très beau conte, qui reprend des mythes de la culture asiatique notamment. Et puis on parle de foi, on parle de religion, et puis on peut extrapoler après. C'est une question de vouloir croire en Dieu, croire en l'histoire, croire en l'amour aussi. Donc c'est vraiment magnifique. Est-ce qu'on est, si on est trop cartésien, est-ce que quand même ce récit marche, Jean-Victor ? Je ne sais pas si je suis cartésien, mais en tout cas, moi, ça a marché à 300%. Pour moi, c'est un tour de force à deux niveaux. C'est un tour de force filmique, parce que formellement, c'est un film qui est assez formidable. Il y a un nombre de moments de bravo de cinéma qui sont vraiment... Enfin, il y en a vraiment beaucoup, et on se demande pas mal de fois comment ils ont fait pour faire certaines scènes. La 3D est extrêmement juste, tout en étant un film conscient de ses limites de la 3D, et notamment sur les cadres, il y a un jeu qui est assez intéressant. Et c'est surtout un film que je trouve génial parce qu'à une heure où à Hollywood on est vraiment dans un espèce de second degré et qu'on aime bien prendre du recul et avoir une espèce de condescendance vis-à-vis de la croyance au récit, c'est un film qui se donne à 300% là-dedans. Et voilà, moi, un film qui me dit clairement, qui me donne à voir une histoire avec des mots et une histoire avec des images pour me dire laquelle tu préfères. Évidemment, c'est avec les images. Aujourd'hui, je trouve ça super courageux et j'enclins vraiment les gens à aller voir ce film parce qu'en plus, ça parle pour tout le monde de 7 à 77 ans. Bon ben voilà, il reste au spectateur de prendre sa rame et d'aller vers l'Odyssée de Pi, le palmarès. Après cet instant critique bien sérieux, passons à quelque chose de plus léger, tout plein de gazouillis, c'est l'heure du Globe Twitter. Décembre, en blouson, les Oscars, déjà de saison, et quelques favoris qui se détachent. Ainsi, Happiness Therapy est qualifié de follement bon par Chris Rock, et la performance de Daniel Day-Lewis dans le Lincoln de Spielberg est décrite par Jonah Hill comme plus que parfaite, comme prévu. Les statuettes tant convoitées seront distribuées le 24 février. Sinon, dans la série Je me la pète, la semaine suivant la fin du tournage de Noah, Darren Aronofsky a trouvé le temps de rencontrer Emir Kusturica, serrer la main du prince du Maroc, déjeuner avec Isabelle Huppert, prendre le thé avec Monica Bellucci. Rien que ça. Quant à Bret Easton Ellis, il pense que s'il avait touché $1 pour chaque adolescente qui s'est caressée sur les scènes hautes d'American Psycho et Glamorama, il pourrait prendre sa retraite. Ben voyons. Côté conseil antidépression, deux écoles ce mois-ci. La version soft, signée Ellen Page. Un tweet par jour, évite la déprime. Plus Kato, signée Seth Rogen. Parfois je pense que je souffre de dépression. Mais en fait, j'ai juste vraiment besoin d'aller chier. Allez, quelques photos pour terminer. Bryan Singer nous amène en Nouvelle-Zélande pour l'avant-première de The Hobbit, où il a d'abord croisé un golem géant à l'aéroport.
et 3 fans au look spécial sur le tapis rouge. Lee Unkrich, lui, le réal de Toy Story 3, a déjà l'affiche pour un improbable crossover entre Les Misérables et Shining. Quant à Simon Pegg, il imagine l'ambiance à la soirée de Noël chez Disney, d'abord un peu tendue, puis qui se réchauffe avec de nouvelles amitiés. Le nouveau Star Wars, ça sera pour 2015, mais nous, on se donne rendez-vous dès le mois prochain pour de nouvelles aventures en 140 caractères. Après les gazouilles de Twitter, je vous propose un reportage consacré à l'exposition Les 5 légendes à la Galerie Art Ludique de Paris. La Galerie Art Ludique consacre jusqu'au 8 décembre une exposition aux dessins préparatoires et aux études de décors et de personnages du film d'animation Les 5 légendes. C'est là que nous avons rendez-vous avec Patrick Annenberger, directeur artistique de ce DreamWorks de Noël. Mais d'ailleurs, un directeur artistique, ça fait quoi concrètement ? It's basically supporting the story and creating visuals to explain to everyone what the final product, the final movie is supposed to look like. It's a very fun job because you're involved very early on in the concept stage, developing the concepts and the ideas for the characters, coming up with early visuals. And then you go all the way through production and are a big part of the filmmaking process as well, and realizing and visualizing the film. Merci Patrick pour ces précisions. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, la création des 5 légendes, film sur lequel les équipes de DreamWorks ont travaillé plus de 4 ans. So this is basically what we used as a style guide, as an inspiration for each one of the world, and each world has this. These are basically our guardian's iconography. You see the big basic shape motif of each guardian and then the big major color palette for the world. Un aspect fascinant du travail de Patrick Annenberger est qu'il doit créer tout un univers cohérent et donc aller bien au-delà de ce que le spectateur verra à l'écran. But that's what my fun about my job is, I get to come up with all these details about the universe, you know. Here, for example, you see the ramp where North takes off with the sleigh, and again you see it in the final movie back here. Here you see the inside where they go through the ice channel. And that's all, again, you don't see it in the movie, but it's all thought of and it's all designed. Les 5 légendes étant adaptées d'un roman illustré, il est amusant de constater les différences entre l'original et le film. Comme par exemple, ici, avec le lapin de Pâques. It was just a choice the director, Peter, wanted to do to make him a little bit more, aggressive, a little bit more dynamic, a little bit more nature-bound, rather than scientific. Pour finir, Patrick nous confie une petite préférence pour l'un de ses personnages. This is my favorite character, the Tooth Fairy, and she's basically a mix between a hummingbird, a peacock, and a woman. Redescendons sur Terre après ce voyage coloré et aiguisons nos arguments, c'est le débat du mois. À moins d'avoir été en orbite entre Saturne et Uranus ces derniers mois, il ne vous aura pas échappé que The Hobbit, le premier volet de la nouvelle trilogie de Peter Jackson, arrive bientôt. Il n'y a pas un jour sans qu'une information ne filtre sur le net. Il y a une surcommunication énorme, ce qui nous pousse à nous poser la question suivante. Est-ce que les stratégies marketing des distributeurs sont efficaces ? Jean-Victor. Pour moi, elle marche trop trop bien. On a eu affaire à un phénomène qui n'existait pas il y a quelques années, qui est apparu avec Internet, où en fait on alimente les forums de fans et le buzz avec des vidéos qui sortent tout le temps, des petits clips, des TV machins, etc. Et finalement, aujourd'hui, on a pu voir un phénomène qui est apparu sur plein de gros films, que ce soit Prometheus, que ce soit Avengers ou même Dark Knight Rises, où en fin de compte, peu importe le film au final, tant que les gens voient ce qu'on leur a vendu, c'est-à-dire que tant qu'il y avait les Avengers entre eux dans le film de Joss Whedon, les gens étaient contents. Tant qu'on voyait Batman et Catwoman dans le Nolan, les gens étaient contents. Et finalement, on se rend compte que souvent ces films sont quand même des vraies déceptions pour la plupart, et malgré tout, les gens ils vont les voir en masse et sont très contents parce qu'ils ont vu exactement ce à quoi ils s'attendaient de voir. Et du coup, je pense qu'il y a une espèce de formatage qui est né par le marketing ces dernières années. C'est pas tant une histoire de qualité, parce que tu as cité des films que parfois j'aime bien. C'est un problème d'écœurement. C'est-à-dire que dès le moment où on est un peu connecté, avant même que le film sorte, on n'en peut plus. J'ai grandi avec l'univers de Tolkien, j'attends beaucoup The Hobbit, et pourtant, j'ai pas encore vu le film, je n'en peux plus. Parce qu'on est bombardé de messages. Pas par Warner, hein, parce que les gens les diffusent. Il y a même une station de métro, il faut expliquer aux gens... Oui, la station Aubert, d'ailleurs. Voilà, une station dans Paris, de RER, où ils ont recréé un petit bout de la comté. Et il y a plein de choses comme ça qui s'accumulent. Et moi, personnellement, je suis un peu écœuré. Il faudrait que des fois, on arrive à aller plus vierge, voir ces films, pour se faire un avis plus neutre, parce que, je sais pas...
Bah, je pense que l'idée, en fait, pour ces gens du marketing, c'est d'aller chercher au-delà du groupe de cœur de fans, justement, qui, de toute façon, les infos, ils vont les trouver, ils vont aller chercher les informations à la source ou sur les sites US. Mais voilà, pour que ça se propage en dehors de ce cercle assez fermé, je pense qu'on est obligé aujourd'hui, pour sortir du lot, de faire des choses plus grandes. Prometheus, par exemple, il nous avait sorti tout un dispositif transmédia qui était absolument génial. On pouvait s'inscrire sur le site de Wayland pour pouvoir participer au voyage. Mais on s'en fout, c'est pas le film. Oui, mais ça fait partie de l'univers, ça te fait rentrer dedans. Ça devient un phénomène au-delà du film. Ouais. Moi, ça me sort de l'univers. Moi, je sors complètement de l'univers de Tolkien à cause de... Mais pourtant, quelque part, c'est quand même l'équivalent moderne, finalement, de ce qu'on pouvait faire, nous, avant, quand il y avait un film, à l'époque où, on va dire, qu'il n'y avait pas Internet. Hein, donc, voilà. Où on devait chercher dans des magazines, on allait chercher dans des livres, on essayait de se renseigner par je ne sais pas quel moyen pour essayer de trouver des informations. Moi, personnellement... je suis extrêmement friand de ce genre de choses parce que non seulement ça prépare l'attente au film, évidemment, mais finalement c'est des univers auxquels on adhère, et surtout celui-là, par exemple le Hobbit, moi pareil, je suis, chaque fois qu'il y a une affiche, une petite vidéo du Hobbit ou quoi, je suis comme un fou moi quand il y a ça, c'est ce que j'ai envie de voir. Mais t'as aucun moment où finalement ce matraquage t'étouffe un peu, où tu te dis bon ils en font trop ou sur en fait, certains films c'est assez logiquement finalement c'est quand il vient d'un film que j'ai pas envie de voir. Quand il y a le matraquage sur Twilight, je m'en fous et ça me gonfle. Quand il y a le matraquage sur le Hobbit ou sur peu importe même, il y a eu un moment sur Pacific Rim, ça commence. Il y a eu un teaser. Ben voilà, c'est quelque chose quand même qui est hyper excitant là sur Pacific Rim. Justement, c'est un très bon exemple. Il commence à y avoir 2-3 vidéos et ça crée vraiment une émulsion quelque chose. La différence, c'est que quand on allait chercher les choses dans les magazines, il y avait une démarche beaucoup plus volontariste. Alors que là, on les reçoit, c'est plus viral. Par exemple, avec The Hobbit, il y a un jeu qui a été mis en place par la Warner. Ou pour avancer et avoir une chance de gagner un voyage en Nouvelle-Zélande, eh bien, il faut poster, échanger des codes. Et si moi, je participe pas du tout à ce jeu et j'en ai rien à faire de voir plein de messages comme ça, et j'en ai plein. Qu'est-ce qui, selon vous, fait la réussite d'une campagne marketing? Est-ce qu'il faut vraiment cibler le public de leaders d'opinion? Est-ce que sinon, on passe à côté de... Je pense que c'est tout simplement la pratique de faire participer les fans. C'est vraiment un marketing participatif où eux-mêmes deviennent une part intégrante du marketing finalement. Parce que finalement le meilleur relais pour un film, ce sont les fans naturels. C'est ceux qui en parlent le mieux. C'est par là que ça passe. Ouais. Donc ils ne ciblent pas tout le public, les campagnes du Hobbit. À part, c'est vrai que le truc au RER, c'est quand même assez vaste. Mais généralement... Il y a ça pour Prometheus, une station fantôme dans le métro qui faisait ambiance. Mais finalement, les gens qui vont relayer tout ça, c'est les gens qui sont hyper connectés. Je veux dire, on prend le spectateur lambda, il ne va pas être saoulé par ce genre de communication. Quelqu'un qui est tous les jours sur Internet, qui cherche sur des forums, sur des sites, sur Twitter, etc., forcément, même s'il veut échapper à l'information, elle lui tombera dessus, finalement, quoi qu'il arrive. Mais le spectateur qui va au cinéma le dimanche parce que c'est sa sortie du dimanche, pas forcément, non? Mais ça augmente encore le creux entre les films qui ne peuvent pas se payer ça et ceux qui les ont. C'est ça, ouais. On conclura le débat sur ces belles paroles et puis on regarde le verdict en images. Il est jeune, il est anglais et il nous a épaté deux fois cette année avec Killist et Tourist qui sort en décembre. Il s'appelle Ben Wheatley et c'est le portrait du mois. If I was a movie, I would be Dumbo, the Walt Disney film. I don't hardly know any movie quotes, so I would be the only movie quote I know, which is, Are You Looking at Me? From Taxi Driver. If I was a movie kiss, I'd be something from The Big Sleep, a Bogart kiss, because, you know, he's the coolest kisser in town. I would be the fight in Eastern Promises with Viggo Mortensen naked in the bathhouse. I would be Suspiria Goblin. Au tour de mes chers amis de vous dresser le portrait de leur coup de cœur du mois, c'est le 30 secondes chrono. Pour
pour ce mois de décembre, je vais vous parler de Un jour des chances, le nouveau film d'Alex de la Iglesia, donc après le film terminal Balada Triste. C'est une variation autour du Gouffre aux chimères de Billy Wilder. C'est un film enragé, lyrique, c'est une fable humaine assez extraordinaire avec une mise en scène très lyrique. C'est sans doute un des films les plus bouleversants de cette année et c'est un film vraiment d'un réalisateur qui a beaucoup de choses à dire sur la société espagnole actuelle. En ce mois de décembre, je vous conseille de découvrir Tabou, un film de Miguel Gomez qui sort le 5 décembre. Un grand film animal, scindé en deux parties, qui parle du paradis et du paradis perdu, qui parle également aussi d'une période coloniale. C'est quelque chose de prenant, de très sensoriel. C'est une expérience sur laquelle on pense encore des mois après. C'est un très grand film, j'espère qu'il ne passera pas inaperçu, donc je vous invite vraiment à aller le découvrir. Mon coup de cœur du mois, c'est Kill This, qui sort en DVD Blu-ray de Ben Wheatley, le deuxième film de ce réalisateur, donc touriste sans se masser en salle. Kill This, c'est un film à la croisée des genres, c'est à la fois une vraie chronique sociale ancrée dans la crise actuellement en Angleterre, c'est aussi un pur film de genre parce que c'est quand même l'histoire d'un tueur en CI qui se remet au travail après 6 mois de retraite, et à la fin, c'est un film fantastique, j'en dis pas plus, c'est un film très surprenant qui peut en dérouter beaucoup, mais c'était l'une des grandes surprises de l'Étrange Festival il y a un an, et ça a rattrapé à tout prix. Et c'est déjà la fin de ce numéro d'Après la séance. J'aimerais tous vous remercier d'être venus partager vos avis. Merci à toi. Merci beaucoup. Et puis toi, cher internaute, ben on t'attend à la prochaine émission. On te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et surtout, n'hésite pas à nous retrouver sur notre site internet et nos comptes Twitter et Facebook. À très vite, Après la séance. The variety's getting big.